Allez, le pousse. Tout ce qui est interdit, il allait faire. Ça y est, le ciné est parti en coup direct. On a fait le travail en amont. On a travaillé de façon très homogène, aussi bien la boxe que le sol que la lutte. L'attitude que vous allez avoir, l'aura que vous allez dégager, va faire la différence maintenant. Il faut avoir une foi en vous, il faut être conscient que vous êtes dans une bonne équipe, vous avez un bon coach, vous avez des bons coachs. Et votre aptitude aussi, il faut avoir foi en votre aptitude. Donc écoutez-nous, faites-nous confiance et faites-vous confiance. Merci. L'adré. Mon gars, concentrado. Allô. Ils vont me frapper un peu avant de monter sur le ring, enfin dans la cage. Comme ça, ça va les mettre en état. Je suis venu en tant que sac. Je peux m'asseoir. Le temps de me changer juste. Merci mon ami. La pression que tu mets ? Ouais. Parce que je me mets sur toi. Ouais. C'est vrai. Tu mets des pieds comme partout. C'est comme tu mets quand on boxe. Tu mets des pieds. C'est la même chose. Et tu montes la garde, Bachir. Tu montes, hein. Voilà. Comme ça, Bachir. Ouais, colle-le, Bachir. Comme ça. Ne jette pas. Voilà, oui, c'est Bachir. Ça, c'est ça. Oui, encore. Ouais. C'est bien. Pousse. Comment t'es pas fatigué? Pas serré là. Accélère. C'est normal, accélère. Juste monte les mains, fais attention. Ok? Juste monte les mains, fais attention. Fais des enchaînements, gauche-droite, touche le foie, essaye de viser le foie, monte en haut, ok, low kick, bloque le low kick, n'oublie pas de bloquer le kick, et lève ta main quand t'es en face de lui, monte ta main, monte tes mains, ok. Il n'y a pas de garde, je veux que tu retrouves la vitesse du début. La première minute de combat, t'étais super véloce, tu touchais tout, cherche à aller le plus vite possible, sur trois coups dans sa gueule, et tu termines par une jambe. Allez Bachir, faut que ça en ligne Bachir, Bachir en ligne, hein, et tu ressors.
chercher. Tu restes proche. Je voyais comment ça avançait après. Je dis, mais reste là, après tu vas le chercher. C'est ça. Reste oh, tranquille. Hey, c'est bien les KO, mais là t'es en train de prendre de l'expérience. C'est mieux de tranquille. Soyez pas pressés les KO. Alors en ce qui concerne Hatch Academy, ouais, j'ai pu repérer une nouvelle fois la future pépite certainement de Hatch Academy du nom de Zakaria Amou, qui nous fait une belle prestation à 66. Alors il faut savoir que c'est un 61 kg. On a Bachir qui est techniquement, voilà, perdu son combat ce soir, mais techniquement il est largement au-dessus du lot. Donc j'ai grandement confiance en lui pour la suite. Nathan qui vient de combattre là il y a quelques minutes à 77 kg, il a fait preuve pareil de maturité dans le combat, donc c'est génial parce qu'il nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Et parmi les autres équipes, ouais, bien entendu, il y a de futures stars comme Mathis Duragrin de la Old School. Je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y a pas mal de belles pépites, mais en tout cas, je leur tire mon chapeau. Le niveau amateur est en train de monter, mais très très fort. Donc bravo à tout le monde et j'espère qu'on se qualifiera pour vous montrer de belles choses à l'avenir. Maintenant, il faut que je fasse attention à ne pas me faire attraper. Ouais. Ça. Tu ne veux pas l'attraper. Tu vois, tu veux le pousser tout le temps, d'accord. Si tu tombes par terre, ton but premier c'est de te relever le plus vite possible. Donc tu pousses sur sa tête, tu cherches la cage, si tu peux mettre ton dos à la cage, tu te remets debout. Vas-y, je vais faire mon travail. Moi. Voilà. Premier avec le jab. Des uppercuts crochets là pour remonter sa tête, d'accord. Dès qu'il commence à faire des trucs comme ça là, bam, uppercut crochet. Tu l'as sonné deux fois. Maintenant t'as juste à gérer ça. Tu gères ta distance quand tu le sens 1-2. Boum, t'as juste ça à faire. C'est tout. T'as juste ça à faire. Ça tu gères ton niveau cardio, tu te sens bien? Normal. Laisse-moi avoir confiance, tu l'as sonné. Allez, tu l'as sonné plusieurs fois. Ne laisse pas reprendre ton temps. On a besoin de ce point, va le chercher. Oui. Faire de la pédicure. Non, pédicure, c'est des pieds, je crois. Bah oui. J'ai même pas fait exprès. Pousse-le contre la cage pour faire ton takedown. D'accord ? Il va vouloir rentrer sur toi. Ok ? Jab, lui faire plus. C'est le seul coup que t'as à faire. Ok ? Allez, Alou, c'est pour toi. Jab, Alou, jab.
putain. Mets ça. J'ai les peaux luxées, je peux rien faire, putain. Mets ça ou pas? Le petit quimbra. Mets ça. Le poids luxé. Mets ça, putain.